Si vous devez donner un conseil à Tania, à tous ces entrepreneurs qui vous écoutent en ce moment, que leur diriez-vous? N'ayez pas peur de continuer. N'ayez pas peur d'y aller. Mm-hmm. N'ayez pas peur d'aller chercher. Vous avez fait le pari de l'entrepreneuriat. C'était la chose la plus difficile à réaliser. C'est-à-dire que de se lever un matin, et bon, voilà, je commence. Commencer est la chose la plus difficile à faire. Mm-hmm. Prendre cette décision, c'est une chose, mais s'y mettre effectivement, c'est très difficile. Mm-hmm. Ensuite, quand vous arrivez à vous y mettre effectivement, ne baissez jamais les bras. Et à chaque fois que vous serez dans les moments de doute, sachez que vous êtes sur la bonne piste. Mm-hmm. Chaque fois que vous êtes dans un moment de doute, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je peux y arriver? C'est le moment de redoubler d'efforts. C'est le moment d'y aller, d'être au taquet, de se motiver à fond. Et entourez-vous toujours de personnes qui vous prodiguent des conseils positifs. Entourez-vous de personnes qui vous transmettent des ondes positives. Entourez-vous de personnes qui, même si elles ne croient pas en vous, vous encouragent. Ça a été le cas pour moi, mm-hmm. et je suis sûre que ça peut être le cas pour quelqu'un d'autre. Moi, il y a des gens, il y a ma famille, mes amis qui m'ont regardé droit dans les yeux. Dans leurs yeux, je lisais, ces gens ne sont pas sûrs de ce que je fais, mais ils ont décidé de m'accompagner dans ce que je fais. Donc, s'il faut pleurer au bout du chemin, je suis certaine qu'il y aura des gens qui vont me prêter leur épaule pour pleurer et qui vont me dire, voilà, maintenant que tu as fait cette erreur, est-ce que tu es prête à changer de route? Entourez-vous de ce genre de personnes, des gens qui soient capables d'être là pour vous dans les bons et dans les mauvais moments. Oui. Pas forcément pour vous donner de l'argent, non. Vous donner de l'argent ne vous aide pas, mais il y a des conseils. Quelqu'un peut vous dire un seul mot qui débloque toute qui une situation, booste, qui vraiment, vous booste et débloque tout. J'ai eu la grâce d'avoir ce genre de personnes autour de moi. J'ai eu la grâce. J'ai fabriqué des pièces au départ qui ne ressemblaient à rien. Mais elles les ont portées en public. Elles les ont portées. Ça m'a aidé, ça m'a travaillé, ça m'a permis de me battre. Parce qu'à chaque fois qu'elles ont porté, elles sont revenues me dire, écoute, j'ai porté, c'est vrai. Mais en fait, il y a ceci qui n'est pas bien, il y a cela qu'il faut corriger. Mm-hmm. Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu faire ça comme ci, comme ça? Entourez-vous de ce genre de personnes. D'accord.